Salut à tous, c'est Mike et on va se lancer dans un nouveau Let's Play. Le patch 1.07 de Bannerlord Mountain Blade 2 est sorti en version bêta. Il fixe les pas mal de choses, notamment les sièges, ce que vous attendez depuis un petit moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans une nouvelle campagne et on va essayer de se faire une petite aventure. Voir un peu ce que ça donne et puis voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on arrivera à devenir un empereur ou une chose comme ça, ou est-ce qu'on restera un marchand de produits en tout genre? On verra bien. En termes d'options, je vais tout laisser comme c'est de base, hein. J'ai pas fait gaffe depuis un sacré moment. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, parce que j'avais joué à la sortie du jeu. Donc j'espère qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Le jeu est en français déjà, ça change pas mal de choses. Allez, lançons-nous dans cette nouvelle campagne. Ils n'ont pas fixé des comptes de chargement, a priori. Pour une vidéo d'intro. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Mais ce qui défonce cette intro qu'ils ont rajouté, elle est vraiment très très bien. Bon, elle explique bien le contexte du jeu. On est donc sur la chute de l'Empire, l'Empire qui est un peu la faction. Faction des Romains, en fait, on est un peu sur la chute de l'Empire romain, en gros, entre guillemets, si j'ai bien compris. Même si c'est évidemment un monde fictif, puisqu'on est en Calradia. Donc là, on va choisir la culture de notre personnage. Alors, on a les Vlandais, qui sont les descendants d'aventuriers de l'Ouest, qui ont vécu sous le joug de l'Empire pendant des siècles avant de former un royaume indépendant. Avec le déclin de l'autorité impériale, ils ont évolué en une société féodale bien organisée, menée par une caste de guerriers nobles qui préfèrent se battre à cheval à l'aide d'épieux et de lances. Donc là, les bonus et malus de chaque culture. On va pas se baser sur ces bonus, on va essayer de se la jouer un petit peu au roleplay. On a les Sturgiens, qui sont les descendants des tribus étrangères du nord de Calradia. Tandis que l'Empire s'étendait dans leur forêt froide, ils ont découvert qu'un marché de fourrures de luxe d'animaux qu'ils chassaient et piégeaient depuis longtemps s'ouvrait à eux. Les chefs Sturgiens sont ainsi devenus des princes, rivalisant entre eux avec l'aide de mercenaires nordiques qui émigraient vers leur royaume. Ce sont les bons chasseurs et explorateurs qui n'hésitent pas à voyager loin à la recherche d'opportunités commerciales ou des lieux à piller. Ok, donc les hommes du nord. Les Blancs et les Hommes de l'Ouest, l'Empire évidemment. L'Empire de Calradia est en déclin, même avant l'assassinat de l'empereur Arachnikos, ce royaume autrefois uni était déchiré par les rivalités politiques. Aujourd'hui, ces factions sont en guerre ouverte et pourtant les Calradiens tiennent le coup.
Leur étude méthodique de la stratégie défensive, fondée sur le ralentissement des envahisseurs par les villes de garnison jusqu'à l'intervention des armées mobiles, permettent de tenir leurs voisins à distance. On a les Azeraï, aussi bien bédouins nomades que fermiers d'oasis, sont les habitants du désert de Naasa. Ils sont réputés pour le dressage de leurs chevaux et leur connaissance du monde entier, surtout en médecine, qu'ils ont accumulée à force d'échanges sur les routes commerciales les plus lucratives du continent. Chaque clan est fier de sa lignée et souvent jaloux des autres. Mais lorsqu'ils sont unis par un chef charismatique, ils deviennent une force majeure du sud à ne pas sous-estimer. On a aussi les Kuzaïtes. Les Kuzaïtes forment une confédération des tribus des steppes, qui menaient autrefois une vie nomade, mais qui se sont installées depuis peu sur la frontière est de l'Empire, et effectuent lentement leur transition vers une société agraire dotée de villes permanentes. Malgré tout, ils ont conservé certains aspects de leur vie nomade, notamment leur affinité avec les chauds, ce sont des maîtres de l'archerie montée, capables de tirer au galop avant de fuir rapidement. Donc les Mongols en gros, hein. Et donc les Bataniens. Les Bataniens n'ont pas oublié les temps où les forêts s'étendaient dans tout le nord de Calradia, et où l'Empire et ses villes n'avaient pas encore violé leur caractère sacré. Ces féroces guerriers restent loyaux à leur tradition, ils peignent leur visage avant de partir au combat, et même leurs nobles préfèrent combattre à pied en maniant des grandes haches et des épées à deux mains à l'efficacité redoutable. Donc on a ces six cultures-là, qui sont les mêmes cultures qu'on avait depuis le début. Je vais en parallèle faire un let's play sur Crusader Kings 3 où je risque de jouer les Vikings. Donc on va peut-être pas partir sur les Sturgeons et les Bataniens, on va partir sur autre chose. On va peut-être partir sur les Vlandais. Ou les Azeraï, peut-être les Azeraï. Je joue rarement des troupes dans le désert. Après, le problème de Bannerlord 2, c'est qu'on commençait toujours au même endroit. Donc j'espère que si on joue en Azeraï, ils ont changé ça et qu'on va commencer dans le sud. Ça m'embêterait de jouer en Azeraï, ils commencent sur les plaines de Kaldria, ça n'a aucun intérêt. Bon, on va voir ça, on va jouer les Azeraï. Donc on aura nos caravanes qui coûtent 30% moins cher à construire, donc ça ne sera pas utile d'avoir un petit moment. On n'a aucune pénalité de vitesse dans le désert, mais bon, si on commence dans le désert, ça ne nous avantage pas beaucoup. Et les gâches quotidiens des troupes du groupe sont augmentés de 5%, ça par contre, ça va nous pénaliser dès le début. Prenons ces Azeraï. On va se faire notre personnage, qui a un fort beau slip. Un peu plus joli qu'avant, le jeu, j'ai l'impression. On peut le randomiser. Mon dieu, quelle horreur. Non, si on joue en Azeraï, on va le faire nous-mêmes. On pourrait faire une femme, ce serait rigolo de faire une femme. On va faire une femme, tiens. On va faire une femme. Du coup, ils sont originaires du désert, donc on va essayer de faire... avoir un teint de peau un peu plus foncé. Ça me paraît pas si mal. Et après, on va être trop sur... trop foncé, je pense. Ouais, il n'y a pas de couleur vraiment... Ah, si. Ouais. Bon, celle-là est pas si mal, mais c'est un peu rougeotte, non? Ça paraît pas un peu rouge? Ouais, ça me paraît... Ouais, allez, on va prendre ça, ça me paraît pas trop mal. La voix? Ah oui, d'accord, c'est le pitch de la voix. Le poids. Ah oui, d'accord, on peut faire une femme plutôt forte ou une femme plutôt au contraire mince. On va la faire quand même assez athlétique, parce que ça sera quand même une survivante. Et la carrure... on va lui mettre un peu de muscle quand même, voilà. Ça me paraît pas trop mal pour une première. Regarde ce qu'elle est bien habillée. Ok, oh, elle a de la gueule, notre petite chef de clan. Hop, le visage. Type d'apparence. Bon, on va pas y passer 3 heures, hein, parce qu'on voit rarement hein, notre personnage. Largeur du visage, ok. On va lui faire un visage assez fin. Au niveau de la profondeur. Ok, ouais, c'est bien ça. Donc pareil, on va faire un visage un peu ramassé. La hauteur centrale, moi j'aime bien les visages qui sont un peu ramassés comme ça. Qu'est-ce que ça joue sur l'équilibre du visage, ça? Ah, c'est un curseur qui est compliqué à exploiter, quand même. Hauteur des pommettes, pas trop haute, pas trop basse non plus. La largeur, par contre, on peut la diminuer un peu. La profondeur, on peut également la diminuer un peu. Les angles, on peut peut-être en rajouter un petit peu. Des oreilles, ouais, ça s'en fout un peu pour tout dire.
L'asymétrie. Non. Hurle ça, ça me trouble quand je vois mon personnage asymétrique. Les types de sourcils. La profondeur. Ok, c'est... C'est vraiment de la profondeur? Ouais, ok. Hop, la hauteur des sourcils externes. On va les mettre à moyen et la hauteur du milieu du front, on va la baisser un peu. Histoire qu'il ait l'air un peu agressif quand même. On est quand même pas là pour être sympa avec tout le monde. J'améliorerais bien la taille des yeux un petit peu, par contre je le trouve très très gros. La profondeur. Elle me paraît pas si mal, hein. Il y a moyen de faire quelque chose de pas mal, je pense. Écart entre les yeux, on touche pas, parce que ça peut vite devenir, devenir un peu hardcore. On pourrait faire une avec les yeux clairs, mais non, c'est pas trop roleplay. On va lui mettre les yeux foncés. Ok, donc les yeux, c'est bon. Passons au nez. Son nez est pas si mal, comme ça, hein. Son nez est pas si mal. On pourrait lui donner un nez avec un peu plus de caractère, peut-être. Est-ce qu'il y a moyen de... Pas en grossissant le nez, mais en cassant un peu l'arête. Non, il y a moyen de faire ça, je pense. Ça, c'est la largeur. Viens voir, toi. Hauteur des narines. Ouais, ça, on s'en fout un peu. La taille des narines... Très bien. Ah, elle bosse sur le nez, voilà, c'est ça que j'aime bien. Pour donner un peu de caractère à un personnage. Netteté du nez, ça donne quoi? Ok, c'est la définition de l'arête nasale de face. La forme. Et la symétrie, non, jamais. Sa petite bouche, donc. Ah, les dents, ah, elles sont horribles, les dents. Elles sont toutes horribles. Elles sont absolument toutes horribles. Elles sont creepy à souhait, les dents. Alors, les dents de lapin, c'est mort. Ça, c'est mort. Dents de lapin, comme ça. Qui a envie d'un, d'un chef de clan comme ça? Personne. Je veux dire, au pire, t'as envie de le passer à la guillotine, quoi. Ferme la bouche, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, la largeur. La position, c'est la hauteur ou c'est... Non, c'est juste la hauteur. Ok, ça me paraît pas mal. Bon, elle est pas trop là pour sourire non plus. L'épaisseur des lèvres, c'est pas la peine de les mettre aussi épaisses. L'avancée de la bouche, elle me paraît pas si mal. Forme de la lèvre inférieure. Ça fait quoi? Ça la sort, je pense. Ok. Mâchoire plutôt fine, peut-être. Pas trop carré. Même s'il lui faut quand même une mâchoire de leader, hein. À l'époque, ça se joue beaucoup. Pas d'époque, c'est un bon fictif, mais c'est pas grave, on se comprend. On va lui mettre un peu de mâchoire, quand même. L'avancée du menton, elle a déjà un menton sacrément franc. Elle fait un peu italienne, là, je trouve. Ouais, elle me paraît pas mal, hein. Je trouve qu'elle a du caractère. Elle a du caractère. J'aime beaucoup. Les cheveux. Ah, les cheveux, on n'a pas un milliard de coupes de cheveux. On n'a pas un milliard de coupes de cheveux. Je trouve que les tresses sont un peu trop nordiques, donc on va pas prendre ça. Hein. C'est une dame du sud. Ils mettent des cheveux un peu crépus. Donc évidemment, les cheveux, on va les noircir. Hein. Elle est pas plus noire que ça. Non, après avoir les cheveux crépus, ça empêche pas de faire une coupe de cheveux. Elle a pas de front. C'est une catastrophe, cette coupe de cheveux. Ah, pourquoi ça lui fait un front aussi protubérant? C'est dommage. Dommage, cette coupe de cheveux, elle est bien, mais il faudrait qu'elle soit un peu plus basse, là, ici. Là. Son front est trop grand. On va voir si on peut pas diminuer le front un petit peu. Et tout le reste, c'est des coupes de cheveux qui sont pas trop... Pas trop dans la région qu'on a choisie. Ah, ça pourrait peut-être passer. Bof. Bof. Oh, on la met chauve, on est des fous. Non, on va lui mettre celle-là, moi j'aime beaucoup. On va essayer de lui diminuer un peu le front si on peut.
Hauteur centrale, c'est quoi? Ouais, non, c'est pas ça. Épaisseur du visage, angle de pommette. Bon, on peut la laisser comme ça, moi je trouve qu'elle a... Qu'elle a quand même de la gueule, hein. Elle a quand même de la gueule. Est-ce qu'on lui met des marques sur le visage? Je ne pense pas. Une petite cicatrice? Non, pas forcément. Elle a l'air gentille. Je voulais en faire une quelqu'un de pas, qui avait pas l'air gentille, mais elle a l'air gentille. Je vais peut-être lui mettre une balafre pour casser un peu le délire. Ouais, ça passe bien. Pas trop une esthétique. J'aime pas trop ses sourcils, par contre. Type de sourcils. Un peu plus épais. Voilà. Là, je trouve qu'elle est pas mal. Eh bien, voilà. Je pense qu'on a notre personnage. Alors, vous êtes né dans une famille. Un émir, des guerriers esclaves, des marchands urbains... La famille avait des petites ramifications dans la tribu d'un émir. Les terres de votre père lui procurent assez d'argent pour pouvoir s'acheter un cheval, mais il n'était pas assez riche pour acheter l'armure nécessaire pour joindre la cavalerie lourde. C'est pourquoi il combattait comme cavalier léger, ceux qui font la renommée du désert. C'est pas mal ça. Les guerriers esclaves, votre père était un esclave qui officiait comme garde du corps pour les émirs Aserai. Il a combattu aux côtés de son maître dans la cavalerie de sa tribu, et il fut libéré. Peut-être fut-ce en raison de son courage ou bien a-t-il acheté sa liberté. Un marchand urbain, vos parents étaient des marchands respectés dans une oasis, s'ils menaient des caravanes dans le désert. Un fermier d'oasis, vos parents cultivaient la terre dans une des oasis de Naassa. Et ils s'occupaient des palmeraies qui produisaient la célèbre date du désert. Un bédouin. Votre famille faisait partie d'un clan nomade traversant l'étendue du désert entre les lits des wadis et les puits pour nourrir leurs chèvres. Ou des brutes des rebelles qui m'intéressent beaucoup moins. J'aime le guerrier esclave et le famille d'Anémia. J'aime bien ça. Ça nous donne quoi du coup? Ça nous donne 10 niveaux de compétences et un point de concentration pour monter à cheval et l'arme de Dast. Bon, c'est plutôt pas mal. Et un point d'attribut pour la vigueur. Ok, ça me paraît bien, vigueur 3. Ok, bah, ça me paraît pas mal. Alors, on sera donc issu d'une famille de guerriers esclaves. Et donc notre père a réussi à acheter sa liberté en raison de son courage ou du butin de guerre qu'il a ramassé. On va dire qu'il a été courageux et il a ensuite épousé notre mère. Voilà, très bien. Notre enfance, on a une bonne bouille quand même. Dans votre enfance, vous étiez caractérisé par votre compétence à diriger. Si la bande de louveteaux de votre enfance avait un membre alpha, c'était bel et bien vous. Tous les autres enfants suivaient vos ordres, qu'il s'agisse de choix d'un jeu ou de là où vous jouez, où vous accumuliez les bêtises tous ensemble. De vos muscles, vous étiez grande et d'autres enfants s'assuraient de vous avoir à leur côté lors des bagarres contre les enfants des villages voisins. Votre... Attention aux détails, vous étiez rapide à la détente et attentive à tout ce qui se passait autour de vous. Vous préfériez éviter les ennuis, mais si vous saviez vous défendre, si jamais notre enfant n'en correspond pas trop, ça. Votre talent avec les nombres, la plupart des enfants autour de vous n'avaient que des rudiments d'éducation, mais vous aimiez rester après l'école. Bof, votre sociabilité, vous étiez toujours attentif aux autres et saviez deviner leurs intentions. Vous étudiez le comportement des adultes et essayez de vous servir de vos découvertes avec vos amis ou votre don avec les chevaux. On vient d'un papa qui était quand même esclave et qui s'est libéré, donc tout pourrait coller, hein, parce qu'après il est rentré dans une vie libre, mais je pense que notre compétence à diriger, ça me paraît pas si mal. Ça nous donne quoi? 10 niveaux de compétence, 1 point de concentration pour meneur d'homme et tactique, ok, et 1 point d'attribut pour ingéniosité, très bien. Alors c'est pas ultra opti, hein, mais c'est pas le but, donc on va dire qu'on était un enfant plutôt charismatique. En grandissant, vous avez passé la plupart de votre temps sur le terrain d'entraînement de la garde. Vous avez regardé la garde de la ville s'entraîner au tir et perfectionner ses plans pour défendre les murs en cas de siège. Ou avec les bandes dans les ruelles. Non, ça j'ai pas envie de faire avec quelqu'un qui traîne avec les méchants. Sur les quais et sites de construction, sur les marchés et caravanserailles, à lire et à écrire ou à travailler dans les écuries. À lire et à écrire, je pense. Votre famille avait économisé de l'argent pour vous offrir une éducation. Ça colle bien en plus avec l'esclave libéré qui veut que son enfant monte dans les classes sociales. Vous en avez tiré profit au maximum, dévorant, genre la souris, de nombreux livres d'histoire, de mathématiques et de philosophie et discutant de vos lectures avec votre professeur et vos camarades. Ça me paraît très bien. 10 niveaux de compétences et plus 1 en concentration pour ingénierie et meneur d'hommes. Ok, donc on a meneur d'hommes qui passerait à 2. C'est pas mal. Et un point d'attribut pour l'intelligence. Si on aurait 3 à l'intelligence, ça serait bien. Eh bien, c'est ça. On a notre père nous a payé les études.
Parce qu'il veut, il voulait pas qu'on suive sa trace, quoi. Sur un continent de Caldria, alors, votre jeunesse. Sur un continent de Caldria déchiré par la guerre, surtout dans les zones frontalières ou tribales, les femmes comme les hommes apprennent à se battre dès leur plus jeune âge. Vous vous êtes entraîné avec la cavalerie, avec, vous avez monté la garde dans les garnisons, vous avez chevauché avec les éclaireurs, vous êtes entraîné avec l'infanterie, vous avez rejoint les escarmoucheurs, vous avez marché avec les aides de camp. Alors la cavalerie, ça me paraît pas si mal. Vous n'auriez jamais pu vous procurer l'équipement par vous-même, mais vous étiez suffisamment doué à cheval pour qu'un seigneur local vous prête une monture et l'équipement approprié. Vous avez ensuite rejoint la cavalerie et appris à manier la lance. Ça colle bien parce qu'on se débrouillait bien à cheval grâce à notre papa. Votre carrière de jeune adulte. Avant que vous ne partiez à l'aventure, votre plus grande prouesse fut d'avoir vaincu un ennemi en combat. Tous ceux qui se font recruter lors des levées ne partent pas en guerre et tous ceux qui partent en campagne ne participent pas forcément à l'action. Mais vous avez fait les deux et avez également tué un guerrier ennemi en combat singulier devant tous vos camarades. C'est pas mal. Vous avez réussi une chasse à l'homme. Parce que votre communauté a eu besoin d'organiser une battue. Vous étiez le choix idéal, vous avez traqué les pillards. Ok, vous avez investi de l'argent dans un atelier. Ça non, c'est pas trop le délire. Vous avez survécu à un siège. Votre ville natale a subi un siège et on a fait appel à vous pour défendre. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Vous avez vécu une sacrée équipée. Peut-être était-ce juste une histoire d'un soir, ou peut-être avez-vous triché au dé, ou bien avez-vous mal choisi vos mots au milieu d'une foule dangereuse, un soir de beuverie. Quoi qu'il en soit, vous avez survécu le genre de problème dont on ne se sort que par des mots bien tournés, ou un talent certain pour le sprint. Ou alors vous traitiez bien les gens. Votre prouesse n'était pas du genre de celle des légendes locales, mais plutôt celle qui font gagner le respect de ceux qui vous entourent. Votre honnêteté et votre sens de la justice et de l'équité, aussi bien dans les affaires que pour aider ceux dans le besoin, ont été remarqués. Cela vous a permis de mieux savoir cerner les gens. J'aime bien le côté on a vaincu un ennemi au combat quand même. Survivre à un siège. Survécu à un siège, je trouve ça pas mal. Ça fait de nous une jeune femme qui a... Mon père était esclave, qui a gagné sa libération, qui a fait en sorte que sa fille ait l'éducation nécessaire avant qu'elle doive se défendre avec les armes. Donc c'est très bien. Alors au niveau compétence, je crois que ça colle pas du tout par contre, mais tant pis. Hein. 10 niveaux de compétence et un point de concentration pour arc et arbalète. En effet, ça colle pas du tout. Un pour l'attribut pour contrôle. Ok, et 5 de renommée. Très bien. Alors, choisissez votre histoire d'origine. Comme pour de nombreuses familles de Caldria, votre vie a été rythmée par la guerre. Votre foyer a été ravagé par le passage successif des armées. Vous avez fini par vendre votre propriété et partir avec votre père, votre mère et le reste de votre fratrie vers une nouvelle ville soi-disant plus sûre. Mais vous n'y êtes jamais arrivé. En cours de route, l'auberge dans laquelle vous séjourniez a été attaquée par des pillards. Vos parents ont été tués et les deux plus jeunes membres de la famille enlevés. Mais vous et votre frère avez survécu car... Ah bah, pas cool notre histoire. Vous avez maîtrisé un pillard, vous les avez repoussés avec des flèches, vous avez fui sur un cheval rapide, vous avez piégé les pillards, et vous avez organisé des voyageurs pour tenter une sortie. Organiser des voyageurs pour tenter une sortie, ou fui sur un cheval rapide, ou maîtriser un pillard. Vous avez encouragé les quelques voyageurs présents dans l'auberge à s'enfuir de manière coordonnée. Les pillards ont malheureusement tué ou capturé la plupart d'entre eux. Mais vous et votre frère êtes parvenus à vous échapper. Ah ouais, c'est... C'est fait de diversion pendant qu'on se barre. Vous avez maîtrisé un pillard. Dans la confusion de l'attaque, vous êtes parvenu à saisir un couteau. Vous avez poignardé un pillard qui vous barrait la route. Ouais, ça c'est jouable. Ça c'est jouable. Vous avez repoussé avec des flèches. Non, on n'est pas spécialement arché, même si on a défendu... Même si on a défendu notre ville. Vous avez fui sur un cheval rapide, autant sur les deux derniers chevaux restés dans les tables en feu, vous et votre frère êtes parvenus à semer les pillards. Après nous, un lâche quand même, un petit peu. Hein. Ah, une lâche. Ouais. Vous avez piégé les pillards dans la confusion de l'attaque, vous avez crié que quelqu'un avait trouvé un trésor dans la réserve. Vous avez ensuite pu vous enfuir avec votre frère en passant par l'entrée non défendue. Ouais, je pense que fuir, c'est ce qu'il y a de plus logique. Donc on gagnerait quoi? 10 niveaux de compétences et un point de concentration pour monter à cheval et reconnaissance. On passe au niveau 3 de cheval. Au niveau 1 en reconnaissance. Et un point d'attribut pour l'endurance. Bon bah c'est très bien. Endurance on serait à 4. Allez. Notre histoire est créée. Vous êtes sur le point de vous mettre en route pour une mission de vengeance et de sauvetage avec votre frère.
Voici votre personnage. Continuez si vous êtes prêt ou revenez en arrière faire des changements. Comment allons-nous l'appeler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle s'appelle Yasmila. Les caravanes coûtent 30% moins cher à construire. Donc on a un résumé de toute notre enfance. La famille de guerriers esclaves, notre compétence à diriger petit, on était le leader charismatique de notre bande de jeunes. On a appris à lire et à écrire, on s'est penché sur les études grâce aux sacrifices de nos parents. On s'est entraîné à la cavalerie quand on était plus jeune, puisqu'on était attiré par les étendues et le monde et la découverte du monde. Mais notre ville a été assiégée, on a réussi à survivre au siège grâce à nos compétences en arc et en arbalète. Puis on a réussi à fuir avec un cheval lorsque l'auberge dans laquelle on séjournait avec notre famille a été attaquée par des pillards. Ça me paraît pas mal comme background. On y va. Alors, pré-réglage de difficulté. Je suis très nul à Bannerlord. Donc, dégâts subis par le joueur, ouais, c'est pas mal. Dégâts subis par les troupes alliées, on peut peut-être l'augmenter un petit peu quand même. Ah ouais, c'est réaliste direct derrière. Bon. Difficulté de recrutement, vitesse de déplacement. On va tout laisser comme ça, je pense que je suis vraiment pas très bon. Activer la naissance et la mort. Attribue ton premier point d'état du monde, point homme de fer. Allez, c'est parti. Alors, homme de fer ou pas? C'est quoi homme de fer? Le bon homme de fer vous limite à un seul fichier de sauvegarde, mais est-ce que... Dans le jeu, quand on meurt, on est capturé ou des choses comme ça. Est-ce que quand je meurs directement? Non, je ne sais pas. À vouloir, c'est pour éviter de charger quand on fait de la merde. Ça me paraît pas mal pour assumer nos choix. Parce que, en même temps, le jeu est tellement dur au début. Allez, on a qu'une seule vie, c'est parti. Ma sœur, cela fait maintenant 3 jours que nous traquons ces mécréants. Je pense que nous touchons au but. Nous devons penser à ce qu'il arrivera une fois que nous les aurons attrapés. Comment allons-nous secourir Fatil d'Alia? Sommes-nous en mesure de combattre? On dirait un vieux terrain d'entraînement pour les légions, peut-être pourrions-nous y passer un peu de temps pour améliorer nos compétences. Cet entraînement s'avérera sûrement utile si nous rattrapons les pillards. Non, on va faire le didacticiel, ça fait un moment que j'ai pas joué. Allons-y dans ce cas. Ok, sensibilité de souris, on est un peu élevé, mais je vais le descendre à la main, je pense. Alors on est peut-être un petit peu bas, par contre. On va rester comme ça, ok. Je vais peut-être baisser un tout petit peu le son du jeu. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de son. Hop là. Ok. Ah oui, c'est vrai que Shift, c'est pour zoomer, c'est pas du tout pour courir. Donc on a la formation à l'épée, la formation aux chevaux et la formation aux armes de jet. On va évidemment commencer par la formation à l'épée. Il va falloir que je baisse la... Avec le système de combat, il va falloir que je baisse la sensibilité de la souris. Sensibilité de la caméra, on peut la baisser à 0,40 je pense. Échelle du mouvement vertical par les directions, ça on verra quand on sera avec une arme dans la main. Ok, ça me paraît un peu mieux. Alors, prenons tout d'abord... Ah non, ça c'est le coup de pied, ok, hop. Bonjour monsieur, c'est pour entrer au combat. Défendez à gauche. Ok. On défend en haut, on défend au milieu, on tape à gauche, on tape à droite, on tape en haut et on tape en bas. Ok. On a terminé de l'acticiel de l'épée. Parfait. Prenons l'épée à deux mains. Ah mais si tu bloques pas mec, ça va être compliqué. Mais d'accord, il est trop... Ok. Déticiel, c'est fait. Ensuite. Formation au combat. Donc comment ça se passe au niveau gameplay pour ceux qui n'ont jamais joué? C'est tout simple. On peut bloquer avec le clic droit. Il faut bloquer dans le sens où l'adversaire attaque. Sinon on prend le coup quand même. Là par exemple il va attaquer... de les stocks. Et vers là, hop là, voilà. Alors comme ça c'est pas très compliqué. Hein. Par contre une fois qu'on est dans la bataille c'est un peu plus complexe.
Et pour l'attaque, c'est pareil. Le mouvement de souris va indiquer si on l'attaque à gauche, à droite, en haut, ou... Ah. Ou en bas. Et on a un coup d'estop, normalement, quelque part. Ouais, ils ont changé le gameplay, peut-être. On peut mettre... Ah non, j'ai raté. Comment on met les coups de pied? Comme ça. Allez, viens là, éloigne-toi un peu du mur, s'il te plaît. Il est agaçant un peu, hein. Ok. On l'a eu. Vous avez réussi à vaincre l'entraînement débutant, allez voir l'entraîneur vétéran. Bonjour monsieur l'entraîneur vétéran. Alors lui il a pas de bouclier. Donc on peut un peu le bourriner, par contre il fait énormément de dégâts. Ok. Formation épée bouclier, c'est bon. Épée bouclier, c'est un peu ce qu'il y a de plus facile à manier. On va prendre du coup l'épée à deux mains pour un peu sadden. Alors avec l'épée à deux mains, c'est déjà beaucoup plus compliqué de parer. Du coup, le timing est plus serré. Là, par exemple, c'est complètement raté. Parade en bas, non? Parade à gauche. Enfin, il attaque à gauche. Ha. Je fais pas les bonnes parades. Allez, coup de pied. On va attaquer le... Il fait chier avec son bouclier, lui. Ah oh. Ok, on l'a eu. Alors le vétéran, ça va pas être la même, même s'il n'y a pas de bouclier. Ok. Oh la vache. Il passe ma garde comme du beurre. Comme du beurre. Ok. Épée de main, c'est pas mal. Épée lance. Alors le principe de la lance, voilà, c'est quand on fait les coups, il faut garder les distances. Et il faut surtout essayer de faire les coups en visant par-dessus le bouclier. Et un petit coup de pied dans sa gueule. Bon, ça va pas marcher. Alors évidemment, à la lance, il nous manque clairement des coups horizontaux. Yeah.
Voilà. On va commencer à lui mettre directement dans la tête. Voilà, comme ça, ça le calme tout de suite. Ok. Alors moi je suis pas fan de la lance, hein, mais notre personnage il est quand même, il est quand même bien taillé pour. On a fait les trois armes, très bien. On va aller s'entraîner. Et où est sorti? Faut jouer, ouais, faut le faire par là en fait. On va s'entraîner à l'arc rapidement, au javelot, au combat monté, et puis on pourra commencer notre campagne. Je pense qu'on finira la VOD juste au début de la campagne. Ou juste après l'entraînement, on a créé notre personnage. Hop, prenons cet arc. Je suis obligé de le faire à cheval? Ouais, je suis obligé de le faire à cheval, un peu dommage. L'arc à cheval ça passe bien, hein, même si bon là tu visais des cibles qui, des cibles qui font 4 mètres de large, c'est pas trop compliqué. Quand il va falloir toucher des mecs sur le champ de bataille, ça va pas être la même. Oh, je l'ai raté. Oh, je l'ai raté. Je l'ai raté. Je dis que c'est facile et je rate. Ah, oh, je l'ai eu. Non, mais quel nulard. Tu me prends les barrières en plus. Bon, je suis pas un archer monté d'exception, on est d'accord. Ok. Descendons le cheval. Testons avec, avec l'épée. Alors l'épée à cheval c'est un peu plus compliqué je trouve. Ouais, surtout si je fais des coups comme ça. Super. Super. Merci d'être venu. Oh là là, quelle catastrophe. Là mon frère il doit se dire bon on va peut-être pas aller récupérer aller récupérer la famille. C'est pas mon frère, c'est mon cousin je crois en plus. Ah non. Tant pis. On va pas se faire celui avec la lance, hein, c'est à peu près la même chose qu'avec l'épée. Un petit saut de cabri. Oh, il était trop bas. Ok, bon on a repris les bases. On va utiliser les armes de jet très rapidement pour que je ne sais plus du tout comment ça marche pour le coup. Hop, un petit coup de pied au cheval, c'est à cause de lui si j'ai tout raté. Non, je rigole, je rigole. Désolé, Ablette. C'est ici les armes de jet, ouais. Les armes de jet. Donc on en a plusieurs. On a évidemment l'arc et l'arbalète. On va commencer par l'arbalète, qui est l'arme la plus max du jeu. Hop là.
Donc évidemment, il y a le temps de recharge qui est toujours un petit peu long. Hop là. Hop là. Hop là. 24 secondes 9. Avec l'arc. Évidemment, la cadence de tir n'a rien à voir. En plus, ils mettent pas les mêmes cibles. C'est dommage qu'on ne peut pas comparer du coup avec lequel on est le meilleur. Ok, 30 secondes. Et il nous reste donc. Les javelots. Donc c'est à distance beaucoup moins. En plus ça tombe. Ça tombe sévère. Faut viser toujours au-dessus. Par contre ça fait pas mal de dégâts ça. Hein. Pas clairement, mais c'est. En combat c'est genre on lance un javelot et puis après on y va avec l'arme. On va essayer encore un peu plus au-dessus peut-être. Encore un peu plus au-dessus. Ah, il tombe très très vite les javelots. C'est tout qu'on doit. Ça va être lié à nos stats, je pense. Et on n'a pas beaucoup. On n'a pas avoir beaucoup. Là, ça devrait être pas mal. On devrait être bon. Ok. Évidemment, évidemment. Oh, allez, nique-toi. Ça m'angoisse. Ok. Bon, on a tout fait, sauf les pieux sur la monture. Mais pas besoin de faire grand-chose pour la suite. Quittons ce terrain d'entraînement pour commencer un peu notre aventure. Vous êtes sur un très bon entraînement, ici vous pouvez apprendre les bases, partir. La Joune. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous commençons à manquer de nourriture. Il y a un village au nord d'ici dans lequel nous pourrions acheter des provisions et trouver de l'aide. Tu chevauches mieux à cheval que moi, alors je te laisse prendre les devants. On doit aller à TVA. Alors on est dans le tuto là, et surtout on va se le faire dans la prochaine VOD. Comme ça voilà, on aura eu la création de personnages, un petit peu d'entraînement pour reprendre la main, et on va commencer la grande aventure. Alors je suis très très déçu parce qu'on commence encore une fois, on commence ici, quoi. Moi, j'aurais préféré commencer chez moi, là. Et bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dès qu'on a fini le tuto, et on va foncer chez nous. Et on jouera comme si on avait commencé chez nous. Et puis voilà. Et puis c'est barre. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas en commentaire à me dire que vous voulez qu'on fasse, dans quelle direction vous voulez qu'on aille, même si on va aller dans le sud, dans le désert, pour des questions de roleplay au niveau des troupes qu'on va recruter. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, et où est-ce que vous voulez qu'on aille, qui vous voulez qu'on arrive à conquérir ou à convaincre de nous épouser. On verra ça dans la prochaine VOD, mais n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et si ça vous plaît, à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Il n'y a pas beaucoup de jeux à tester en ce moment, donc on va surtout faire du let's play. On a le let's play sur Pathfinder 2, évidemment, qui est toujours en cours et qui en est au 50e épisode. On a le let's play sur Bannerlord, Bannerlord, Moonlight 2, voilà, je cherche mes mots, qui commence avec cet épisode. Et on va commencer aussi un let's play sur Crusader Kings 3 en jouant sûrement les Vikings pour attendre la sortie du DLC qui arrive bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!